J'ai été interpellé par le logeur qui est venu me voir, me dire que depuis ce matin, on n'a pas vu une famille là. Parce que la maman vendait le marché et les enfants allaient à l'école. Mais les voisins n'ont vu ni les enfants à l'école. Et ce que sont ses collègues au marché ne l'ont pas vu aussi. Alors il était 12h, ça nous a interpellés là. Et j'ai pris mon équipe, j'ai pris mon secrétaire, puis mon chef de bloc. Nous sommes venus pour vérifier sur place. Et lorsque nous arrivons, les portes sont hermétiquement fermées. Nous avons tapé pour tenter d'ouvrir, on n'a pas pu. Bon, finalement, nous avons attendu. J'ai fait venir les parents, certains de ses parents et ses amis, ils sont arrivés. Bon, lorsque les parents sont arrivés, alors nous avons défoncé la porte. On a défoncé la porte et c'est là qu'on a trouvé tout le spectacle qu'il y a eu là-bas. On a trouvé la maman. Bon, on a trouvé une seule fille qui respirait encore. Bon, par mesure de prudence, nous avons pris la fille et nous avons mené à l'hôpital. Après, nous avons appelé la police. Et la police et la gendarmerie sont arrivés pour faire le constat ici. Ce qui est sûr, c'est que moi, elle sature bien, donc elle n'a pas besoin d'être intubée. Elle n'a pas de fièvre. La glycémie est normale. Donc, pour l'instant, on est au stade de paramètres. On ne parle plus des paramètres. Pour l'instant, ce n'est pas encore inquiétant.